Salut tout le monde! Bonjour! Bienvenue dans la partie 28 de Zelda The Wind Waker. Et nous sommes à la recherche de notre bateau. Alors du coup il pleut. Ça se fait pas. Il faisait beau en nous attendant et puis dès qu'on remet la vidéo, ça y est, il pleut. J'ai sérieusement perdu mon bateau. Je vois qu'il était là en fait. Non? Ah, il est là! Le fourbe! Il ne veut pas aller dans la forteresse maudite. Il s'était caché. Bon, ça fait peur hein. Toi, tu n'as pas peur de la forteresse maudite? Non. Il y a mon ami El Maroc là-bas. Je vais dans la mauvaise direction, moi. Je crois bien, oui. C'est pas bien de suivre les flèches. Allez, allez. Donc, on avait dit. Eh, voilà. Nord-ouest. Et on peut la voir de loin. N'est-ce pas le truc bizarre que je vois au loin? Si, si. D'ailleurs, j'ai pas le truc là. Une grande île bizarre en zone inconnue. Et puis j'ai pas de nourriture, c'est pas bien. Oui, du poisson. C'est pas frais ton poisson. Pas vrai. Il tient qu'il est pas frais. Moi je pêche pas de poisson, donc ça risque pas qu'il soit pas frais. Petit. Est-ce qu'il y a quelque chose sur cette petite île là? Oui, un marchand ambulant. Je vois le poisson! Marchand ambulant est-il là? Non, pas encore. Visiblement non. Allez, moi je veux le poisson. Poisson, je t'ai vu! Inutile de te cacher! Hep! Voilà. J'en ai marre de vous et vos compères qui gâchez la nourriture. Salut petit gars, blablabla. Yay. C'est l'île de Gémeaux. Non, l'île Gémini. C'est là qu'habite Faye. Oui. J'ai entendu dire qu'il y avait dans cette île une fée belle à en mourir. Ah, fille est belle à en mourir. Mais personne ne l'a jamais vu. Je suis sûr que ce poisson est un descendant des petits machins là, électriques. Si tu veux l'avoir. Petits machins électriques, ah oui, les robots. Oui. Bla, bla, bla. Non, c'est un descendant des Loftbird en fait. Allez, Goéland, menez-moi jusqu'à ma sœur. Vas-y, je vais me faire attaquer par des bateaux. Par des batailles, je vais me faire attaquer par des batailles. Est-ce que je tente d'aller chercher la carte qui est là-bas? Ouh, des barils qui explosent. Ah ouais. Je l'avais pas vu, lui. Oh, mais mon bateau va très loin, en plus. Bah, il continue d'avancer, oui. Je crois que ma présence n'est pas la bienvenue, ici. Visiblement, tu n'es pas très apprécié, Miel. Comment cela se fait? Je ne sais pas, j'ai dû acquérir une mauvaise réputation auprès des gens... En fréquentant des pirates, maintenant je suis désigné comme un pirate. Oui, un cœur. Ouais, mais non. Tu ne veux pas un cœur alors que tu as perdu un quart de ton cœur, un quart de ta vie? Non, je me sens quand même en pleine forme. Tant mieux alors. Mais tu en auras besoin. Alors, est-ce qu'il y a un petit poisson dans le coin? Visiblement. Ah! Mais ne fonce pas dans le baril. Est-ce que je le vois? Là, ton bateau est parti très loin. C'est pas grave. Moi, je dis que j'allais à la forteresse maudite à la nage. Bon, et sérieusement, il y a pas de poisson? Oui, ah, il est là-bas. Est-ce que je vais réussir à aller jusqu'à lui? Mais oui, mais oui. Pourquoi doutes-tu de tes capacités? À cause de... des goélands. Ah oui, les goélands sont méchants. Ils sont porteurs de malheur lorsqu'ils tournent dans le ciel. Vas-y, un cœur qui me nargue. Il commence à faire nuit. Hop, à table. Nom, 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 nom. C'est normal qu'il fait nuit et noir, c'est à cause de la forteresse maudite. J'avoue qu'on peut pas aller à la forteresse maudite le jour. Je t'écoute, je suppose que tu veux que je... Enfin si, on peut y aller après.
Il est obligé de faire nuit là-bas? Dans le jeu, je veux dire? Non, une fois qu'on a atteint la première visite, enfin les deux premières visites, si, il est obligé de faire nuit, après il fera jour aussi. Donc je ne peux pas affronter mon ami pendant le soleil? Non. Adieu. C'est moi qui te dis adieu. Non, finalement tu ne peux pas aller dans l'île. Quelle île? Bah, tu m'avais dit, je vais peut-être essayer d'obtenir la carte, et finalement non, je pars. Je voulais dire que je voulais compléter la carte, en fait. D'accord. Non, moi je veux affronter l'île pendant le crépuscule. D'ailleurs, je dois préparer mon canon. Oh. Là, elle a décidé de faire exploser la forteresse maudite, plutôt. Yep. Que de l'assaillir. Est-ce que si les faisceaux lumineux ils me voient, comment il fait nuit d'un seul coup? Si les vaisseaux lumineux te voient, ils vont te tirer dessus, les canons. Les canons qui vont te repérer, même s'ils ne savent pas viser, en fait. D'accord, donc c'est pas grave. Je peux y aller tranquille, enfoncer leurs portes et... Et leur dire bonjour à tout le monde avec un vaisseau, avec un... Avec, pas un vaisseau, avec de l'eau qui bug. Regarde, je me suis même pas fait repérer pour le moment. C'est pas très performant, hein, leur système. Je suis encore pas assez prêt. Pan ! Non, ça marche pas. Ah si. Non, il y a pas le truc rouge qui apparaît cette fois-ci pour se dire que... Salut, c'est moi ! Vous venez de moi ? Canon, c'est sans doute déjà que nous sommes infiltrés ici. Pas d'un côté, avec tout le bruit qu'on a fait, mais tu as Excalibur. Utilise cette épée contre les monstres et va délivrer ta sœur. N'aie aucune crainte, je t'attends ici. C'est parti. Et là, si je me fais repérer, je vais pas en prison. Non. Regarde, je vais dans la lumière, je vais dans la lumière. Oh, c'est fermé par des pics. Des champignons bizarres. Des champignons piquants. C'est normal, il y a quelqu'un dans la lumière, mais c'est pas grave. C'est pas dramatique, on va pas encore envoyer des... Ah, peut-être que si. Ouh. C'est le Dark Knight. J'avais complètement oublié son existence. Moi, je l'aime bien. Moi aussi, j'aime la musique. Parce que je le taquine en le regardant pas et je le tapons quand même. Oh, c'est génial. Ils l'ont beaucoup facilité par rapport au... à son homologue de Ocarina of Time. Mais qu'est-ce que tu fais, Link? Arrête de rouler! Arrête de rouler alors qu'il ne roulait pas, le pauvre. Tu le disputes pour quelque chose qu'il n'a pas fait. C'est bien, je le... Je comment dire... Je peux le battre plus facilement encore, là. Cooling. Je lui ai donné un coup dans le genou. Il est déjà mort. Triste, t'as même pas utilisé la technique ultime contre lui, je suis triste. Pourquoi faire? Parce que c'est bien, moi j'aime bien utiliser la technique comme ça. Je le montrerai au deuxième alors, c'est moi qui affronte le deuxième. D'accord, mais tu viens de spoiler la suite du jeu là. Bah il y en a forcément un deuxième. Après la piètre performance qu'il vient de faire, il y en a forcément un deuxième. Vas-y. Alors là, ça m'a toujours épaté, parce que on a déjà l'objet magique. Oh non! J'entends des rires que je n'apprécie pas. Ah bon? Moi je n'ai rien entendu, je pense que... Non. Oh yeah! L'objet. J'aime cet objet. Tout le monde l'aime. D'ailleurs, il fait office de bouclier miroir aussi. C'est vrai? Oui. Il réfléchit la lumière? Oui. Prends ça! Il y en a deux qui ont volé. Rigole pas, tu vas voir. Non, tu les as écrasés, les pauvres. Link, il est pas content. Hein. Bon alors, Link, tu dois... La porte ou le machin? C'est pas vrai qu'il y en a encore. Ils reviennent à l'infini en veine. Oh, les flashs aveuglants, ça m'énerve. Bon, faut que je trouve le chemin pour aller jusqu'à ma sœur. T'as vu, il me guide. Eh mais il me suit ou quoi? Mais oui, il te suit. Ah d'accord. T'as vu, il me guide. Mais non, tu vas vers le mauvais endroit là, en fait. Tu vas vers les lumières, en fait. Faut que je prenne la porte? Oui.
C'est moi ou je suis en train de laguer? Non, tu ne lagues pas. C'est ton imagination. Il y a des bombes là-bas. Je prends la porte, c'est ça? Oui, tu prends la porte. On en a marre de te voir. Est-ce que je peux l'exploser? Non. Oui, ensuite on va tout droit. Parce que la lumière m'indique le chemin. C'est beau la technologie. Ouh, le chemin est bloqué. T'es obligé de voler avec ton ta feuille mojo. Ah ah. Adieu. Bah c'est l'objet ultime de ce jeu de toute manière. Non, franchement, le meilleur objet c'est le boulet. C'est ça qui rehausse Twilight Princess en fait. Moi j'aime le boulet. Là elle n'aime le jeu que pour le boulet. De toute façon j'utilise que le boulet dès que je l'ai. Oh, une lumière. Boulet. Oh, y'a plus de lumière. Boulet, boulet, boulet. Attention, tu vas te faire attraper. Ils vont te le jeter du feu quand même dessus. Ça va pas viser hein. Et après ils vont commencer par le feu. C'est tranquille ce donjon, moi j'aime bien. Bah attendez qu'on l'a déjà fait. Coucou, bon cette fois je vous laisse la vie sauve. Par contre j'ai envie d'essayer ma masse sur lui. Qui n'est pas là. Mais non, il n'est plus là. Oh le traître, je suis déçu. J'espère qu'il y a un truc là-haut avant d'entrer. Non, il n'y a plus rien. À part des tanins. Oui, pas des tanins. Kipling, tanin. Aïe. Oui, les pics, ça fait mal, là, elle. Oui. Stop, range ça, Link. Sinon, tu vas te faire voir. Mais je m'en fiche. Plaque-toi contre le mur. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Tombé. Plaque-toi contre le mur. Oh, Link, quel regard. Attention à la lumière, attention au petit Blin. Oh, 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 vous ne frappez pas, hein. Non, vous pouvez pas. Ils peuvent monter contre les murs, hein. Assure-toi. J'aurais bien aimé qu'il me suit avec la lumière. C'est des Spider-Man. Allez, coucou. Attention, ils vont te tirer des boulets de canon, je crois, vas-y. Oh non. C'est pas à cause des boulets, c'est à cause de lui. J'ai peur. De toute façon, ils pourront pas me toucher. Je vais trop vite. Pas. Bon. Mais qu'est-ce que je peux faire du coup? Essayer de faire en sorte qu'on te voit plus. Ne plus me voir. C'était pas ce que je voulais par ne plus me voir, mais non, ça a marché. Plus. Heureusement qu'il y a une échelle. Ils avaient tout prévu. Ils avaient prévu que Laëlle allait courir en criant partout, en se disant bon allez on le met là quand même, on est sympa. Je peux pas y aller avec ma feuille? Je pense que si, mais il faudrait voir avec le sens du vent. C'est pas grave, je suis le maître du vent. Link, le dernier maître du vent. Regarde, il me voit. Vous me voyez, mais vous me tirez pas dessus. Vous êtes gentil. Bon, alors là, je vais prendre ma baguette des vents. Et tu vas tomber. Mais non. Ils oseraient pas m'attaquer pendant que je fais une magnifique mélodie du vent. Regarde, il y a des petits oiseaux qui volent là-bas. Regarde, c'est la fenêtre, ma sœur. Allez, aïe. Si, ils ont osé. Oui, mais j'avais arrêté de jouer, c'est pour ça. Et voilà, tranquille. Ils ont quand même eu le petit mini Baphomet. Bon, attendez, j'appuie sur le bouton. Tu le fais trébucher aussi. Bah lui. Visiblement, t'as du mal, hein. C'est à cause de. Voilà. J'ai ouvert la porte. Bon, je pense qu'en fait, tu devrais pas avancer, en fait. Parce qu'on est à la fin de la vidéo, vaut mieux. Et vu qu'on a pas mal de cinématiques après. Oui, oui.
Je vais affronter quelques tanins. Non, c'est bon. Bon, bah, les gens, c'est sur cette fin que nous vous laissons. Et nous vous disons à la prochaine partie. Bye bye, tout le monde. À bientôt.